Nous allons ce soir parler donc le sujet principal sera donc Mahavaya Bok, la traversée de Jabok, qui consiste à expliquer au fait le conflit de Ésaü et Jacob, Essav et Yaakov. Et je l'ai sous-titré de cette façon, de l'intellectualisme à la conscience supérieure. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Mais d'abord, la trame de notre sujet. C'est après que Jacob a passé quelques années avec Laban, comme nous savons, il quitte donc Haran pour, avec toute sa famille, pour aller rejoindre la terre de ses parents, de la terre donc de ses ancêtres, la terre d'Israël. Et donc, il appréhende ce conflit, cette confrontation avec Esav, et nous allons voir que cette confrontation n'a pas seulement à voir avec deux personnes, mais avec deux puissances, deux pouvoirs, deux approches de l'existence, comme l'ont déjà souligné que Shnei Goïm Bevitner, comme il est rapporté à propos donc de la gestation même de ces deux enfants, Jacob et Esav, où Dieu dit à Rivka, cette mère la mère qui porte donc en elle ces deux forces, ces deux puissances, il lui dit donc deux peuples sont dans ton ventre et vont surgir de ton ventre, donc deux puissances. Et voilà, ces deux puissances, ces deux forces, ces deux personnes doivent se confronter et jadis et encore demain, comme nous le verrons. À un moment donné, Jacob se comporte d'une manière qu'on ne comprend pas très bien, que tous les commentateurs de la Torah essaient de nous expliquer. Je parle donc de la trame, toujours, il leur fit passer le torrent donc à sa famille, et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Et Jacob, donc, il traverse, lui, le fleuve de Jabok, ce passage de Jabok dont nous allons expliquer, et Jacob resta seul. Or, un ange, un homme, est venu donc lutter avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'ange, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, il frappa au creux de sa hanche, et l'ange de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme dit, lâche-moi, enfin cet ange, lâche-moi car l'aurore s'est levée. Jacob répondit, je ne lâcherai pas, seulement si tu me bénis. L'homme demanda quel est ton nom et il répondit Jacob. Il reprit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Israël qui veut dire Sarel, celui qui lutte avec Dieu ou Dieu qui lutte. Parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu l'as emporté. Voilà donc la trame de notre texte de Genèse 32. Et nous allons essayer de comprendre, au fait, qu'est-ce qui s'est passé. Jacob qui se prépare, comme disent les commentateurs, au conflit, à la guerre. Jacob qui se prépare à l'offrande, à la politique. Et Jacob qui, voilà, qui se prépare de toutes les façons, il se prépare à tuer ou à mourir. Donc il est prêt au combat. Et psychologiquement et physiquement aussi, donc ils seront. Mais voilà, quelqu'un intervient pendant la nuit, lorsque Jacob était seul, Vayevater Yaakov Levado. Pour quelle raison Jacob se retrouve seul? Alors, il est vrai que certains commentateurs parlent donc Jacob est allé chercher des kélim, des ustensiles ou des choses insignifiantes. Kelim, parim, ktanim, veut dire des choses qui sont petites, donc des choses qui sont insignifiantes. Et pourquoi Jacob est allé chercher des choses insignifiantes? Alors pour certains, oui, l'argent ou les biens d'un tzaddik sont importants et il ne doit pas donc dédaigner de ses possessions, de ce qu'il a reçu, de ce qu'il a obtenu. Et donc il est allé chercher parce qu'il les a oubliés. Il est vrai que ici, on cache le secret donc de ce Mahavaya Bok, de cette traversée.
de Jabok, où Yaakov se retrouve à Yébata, Yaakov Levado. Un peu comme à la fin des temps aussi, on se retrouvera seul. Chaque homme se retrouvera seul face à la réalité. Et Jacob représente justement cette prise de conscience et cette réflexion qui arrive seulement après avoir traversé ce fleuve de Jabok. Même si d'après les kabbalistes, ce fleuve de Jabok, d'après le Midrash aussi, Mavaya Bok, cela concerne le moribond, c'est quelqu'un qui va quitter le monde. Et avant de quitter le monde, donc il traverse ce chemin ce chemin de l'histoire. Donc, je reprends, donc, Yaakov qui se retrouve seul et doit donc se confronter avec un ange. Un ange qui... l'ange de Esav, et qui, donc Yaakov se confronte avec lui, et juste au moment où Jacob réussit à triompher dans ce combat, que nous allons tout de suite essayer de comprendre la nature de ce combat, cet ange lui dit, lâche-moi, car l'aurore s'est levée, c'est le matin, et maintenant je t'aime, je peux plus te... Jacob lui dit, je ne te lâcherai pas que si tu me bénis. Donc il demande une bénédiction de celui qui l'a frappé, de celui qui veut le combattre, qui voulait tout simplement le tuer. Cet ange de Esav, cet esprit de Esav. L'homme demanda quel est ton nom, enfin cet ange, que le texte appelle homme, mais c'est en fait c'est l'ange de Esav, cet esprit de Esav. Il dit quel est ton nom, et il répondit Jacob. Il reprit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu qui lutte, parce que tu as lutté avec Dieu. Et avec des hommes, et tu l'as emporté. Nous allons essayer de comprendre au fait que ce combat n'est pas seulement un combat entre deux hommes, c'est un combat entre deux esprits, je dirais même les principes, entre deux principes, le principe même de toute l'existence. C'est les deux principes de Havaya et Elohim. C'est Dieu qui se révèle en tant que créateur du monde, et c'est Elohim, qui est représenté donc par Esav, et il y a donc cet autre esprit divin, ou cet autre aspect de Dieu qui s'appelle la Havaya Yud Kevavke, le tétragramme, et qui signifie donc l'être primordial, l'être premier, donc sans rapport nécessairement avec la création. Ces deux principes, Havaya et Elohim, comme nous avons vu déjà, Jacob et Esav les représentent bien. Mais nous savons aussi que, déjà depuis la création, ce terme de Elohim est utilisé dans tout le récit de la Genèse. C'est-à-dire, lorsque la Torah parle de Bereshit, de la création, nous parlons de Elohim. Elohim, encore une fois, qui est un aspect de l'être premier, cet aspect qui est essentiel, qui est au fait le maître et le créateur. Donc cet esprit de la création se révèle dans la nature et dans tout ce qui existe dans la nature. L'homme, bien sûr, résume la somme de toute la nature. Et d'ailleurs, même le Nahash, le serpent, cet ossement originel, cet ossement donc, qui parle avec l'homme, il lui dit, et à la femme, il leur dit, voilà, le jour où vous allez emprunter cette voie donc, du savoir, de l'expérience, de l'initiative personnelle, de la perception des sens, eh bien, vous allez être Dieu. Mais en disant, vous êtes Dieu, ou comme des dieux, vous êtes comme Elohim. Donc, il ne s'agit pas donc de l'être premier, il s'agit donc de cet acte créateur, de ce pouvoir de la création. Vous saurez aussi comment la nature est régie et donc vous pouvez intervenir et la changer quand vous voulez. Mais voilà que ce Esav, maintenant, représente
bel et bien ce pouvoir qu'on appelle Elohim. Elohim qui signifie donc le Dieu de la nature. Nous allons essayer de comprendre ce combat de Jacob et Esav, et l'ange de Esav. Cette fois-ci avec d'autres éléments qui vont nous permettre de saisir en vérité que ce combat n'est pas seulement un combat entre deux peuples, ou je dirais même entre deux civilisations, mais entre deux aspects de réflexion, entre, comme nous allons le voir tout de suite, entre l'intellectualisme ou le rationnel, et entre la conscience pure, la conscience supérieure. Je vais expliquer qu'est-ce que j'entends par cette conscience supérieure. Mais avant tout, par intellectualisme, on peut voir que Esav, Saïd Bepiv, la Torah nous dit que c'est un chasseur. Un chasseur, donc il est rusé et il sait comment ça marche, il connaît bien les modes de comportement, et c'est pas seulement du monde animal, bien sûr, du monde végétal aussi, et je dirais même du monde partiellement spirituel. À savoir, il connaît, lorsqu'on connaît donc le mode de fonctionnement, on connaît la prochaine étape, et donc il va la doubler, c'est comme le chasseur. Il sait qu'il est rusé, donc il sait qu'il va faire telle chose. Et donc, avant qu'il arrive à telle autre chose, je vais l'arrêter. Donc, cette ruse, qui se trouve aussi chez Lavan, ils comprennent donc comment fonctionne l'existence, comment fonctionne cette existence telle qu'elle se révèle à notre perception des sens. Donc, Esav connaît bien la nature. Mais plus que cela, dit le texte, il ne dit pas donc c'est un chasseur. Saïd Bepiv, il sait aussi chasser avec sa bouche, avec sa parole. Donc il sait utiliser donc le verbe, la rhétorique, comme en politique. Donc on dit une chose en pensant autre chose. Et sans toutefois penser à ce que tout le monde pense au premier abord donc de la signification du terme. Bien sûr, il y a un signifiant et un signifié. Et voilà, Esav, comme cette approche occidentale qui est représentée par Rome, par cette puissance, comme Esav lui-même est l'ancêtre de cette Rome, c'est, attention, on n'a pas affaire à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il a une représentation de Dieu qui est partielle, qui est celui donc Dieu de la création. Et donc on va imiter et jusqu'à arriver à toucher à ce divin, à cet aspect de Dieu, par la connaissance de la puissance de la nature, et jusqu'à, pourquoi pas, aller sur la Lune et sur Mars, etc. Bien que l'homme, à n'importe quel moment, est étonné et émerveillé par cette nature, cependant, il pense qu'il est capable de la comprendre, cette nature, et de la dominer, voire la maîtriser. S'il y a des cas exceptionnels, mais pour toute étape dans notre histoire, je ne suis pas de l'humanité, alors les hommes ont fait preuve, non pas de sagesse, mais de puissance et de confrontation avec la nature elle-même. Mais voilà ici, dans notre texte, Esav est représenté par Ratit Pen Elohim, j'ai vu donc la face de Elohim, dit Jacob, j'ai vu donc une confrontation avec l'esprit de la nature. Il ne s'agit pas donc de ce que nous comprenons par le transcendant, c'est-à-dire l'être infini, l'être premier, primordial, mais l'être plutôt immanent, ou celui qui, l'être qui s'investit, qui n'intègre pas, mais qui s'investit dans l'acte créateur. Dieu a pourvu l'homme d'un pouvoir exceptionnel qui s'appelle donc l'intelligence, la faculté donc intelligible, qui lui permet d'anticiper et de comprendre. Des Hachamaro et Tanolat, comme dit dans Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, il est écrit quel est l'homme intelligent, c'est celui qui connaît donc la prochaine étape, ce qui va naître.
Il voit donc la naissance. Il sait les prochaines étapes. Pas seulement dans la pluie et le soleil et la température, mais aussi dans la physique et dans les sciences. On anticipe parce que on a soi-disant compris la structure du comportement, que ce soit des électrons ou des galaxies. On a une idée de ce qui se passe. Un peu comme dans la chasse. La chasse de SAV, il ne faut pas la voir seulement de la chasse du gibier. Et la demande d'Isaac aussi n'est pas seulement de manger des steaks ou des brochettes. Il y a là donc une maîtrise. Il faut maîtriser la nature, il est vrai. Isaac voit dans son fils Ésaü celui qui peut maîtriser la nature. C'est un chasseur, qui est Saïd. Il connaît donc les différents comportements. Encore une fois, il ne s'agit pas seulement des comportements du monde animal ou végétal, mais beaucoup plus que cela. Parce qu'en fait, tout est un. Il y a une structure parallèle de tous les existants. Un animal tel qui se comporte et correspond aussi à une galaxie et à des étoiles aussi à leur comportement. On est tous fabriqués des mêmes électrons. Il y a bien entendu des différences au niveau de l'intelligence d'un animal, d'un être humain et d'une galaxie et d'une étoile. Mais en vérité, cette intelligence est pourvue aussi par l'Éternel, par cette cause première qui s'est investie aussi dans cet acte de la création. Donc il y a, chez Esav, encore une fois, nous allons nous concentrer dans cette personne, Esav qui est Saïd Bepiv, qui connaît la rhétorique et qui sait aussi, donc, il connaît les comportements. En fait, on peut dire que c'est l'intellectuel, comme Rome, qui a hérité de la Grèce et qui a mis au point donc des doctrines. Et donc, tout est réductible. Tout ce qui existe est réductible à des lois, du moins à des principes intellectuels, c'est-à-dire des idées. Et à partir de ces idées-là, on a trouvé donc des implications, que ce soit au niveau des sciences, etc., jusqu'au moment où il y a donc l'exception qui prouve le contraire, et on revient donc à la théorie pour la rectifier, pour lui ajouter, l'amender ou l'arranger. Mais reste que le comportement de tous les hommes provient de Esav. La logique est représentée par Esav. D'ailleurs, la Gemara d'Avodah Zara, lorsqu'elle parle du jugement final, parle de cette pourquoi Esav, pourquoi Dieu veut rencontrer Esav dans le jugement, pourquoi il veut d'abord que Esav rentre en jugement en premier lieu, à cette confrontation finale. Parce que cette civilisation, les idées de Esav ont gagné le monde, donc se répandues dans le monde entier. Même s'il existe des peuples qui ne sont pas donc dans l'intellectualisme ou de le rationalisme tel que Esav donc l'utilise, tel que le Rome l'utilise, donc l'intellectualisme pur. Cependant, ils sont gagnés et ça a triomphé, on peut dire, sur la nature de tous les hommes, c'est-à-dire c'est lui qui va décider parce qu'il a des résultats pratiquement dans tous les domaines. Il est vrai que l'intellect, c'est notre instrument. C'est le meilleur instrument que l'on possède. Apparemment, l'intellect, c'est lui qui nous permet donc de construire aussi bien les idées et qui passe sur notre comportement. Et plus que cela, avec cela, on construit beaucoup de choses et on réalise tout ce qu'on veut, ou presque. Mais lorsqu'on analyse un petit peu donc toute l'histoire et les différents combats, les conflits, les innovations, etc.,
Alors on peut faire une liste, surtout, non pas des triomphes, mais on doit faire une liste, une chronologie des différentes faillites. Plus encore que les triomphes, il y a des faillites, parce que chaque étape, si elle commence par une innovation, une révélation, un triomphe, mais il aboutit tout de suite à quelque chose où on tombe et on se rend compte de notre des difficultés, des lacunes et surtout des limites de notre intellect. Mais chaque fois qu'il y a juste une élévation, il y a tout de suite une dégradation. Que reste-t-il vraiment donc de toutes les philosophies, des différentes idées? Et même si on est arrivé, grâce à l'épistémologie, d'arriver donc aux sciences et à des théories, à des lois merveilleuses, même s'ils sont limités, mais elles nous ont fait gagner donc beaucoup, beaucoup donc de belles choses dans ce monde, mais non pas le bonheur, parce que on n'a pas réussi. On n'a pas réussi donc à changer la vie tout simplement, à changer notre manière d'être. On est resté les mêmes. Les hommes n'ont pas changé avec toutes les sciences et je dirais parfois avec toutes les religions. Parce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas résister à cette gravitation, à cette force, mais qui tire vers le bas, bien entendu, à la fin. Et c'est la preuve par les sens, par la perception des sens. Il faut un autre pouvoir qui résiste justement à cette gravitation. Ce pouvoir qui peut résister à cette gravitation, c'est le combat de Jacob avec Ésaü. Cette gravitation, c'est Elohim, c'est les lois de la nature. À partir des lois de la nature telles qu'on les conçoit, telles que notre intellect les conçoit. Alors l'intellect veut faire des systèmes, il veut des systèmes par. C'est ça, ces systèmes, Asouï, Essav, Asouï, c'est le système, c'est fait, c'est réalisé. Donc c'est comme si on comprenait par notre intellect rationnel le tout, jusqu'au moment où quelque chose intervient et vous pouvez tomber dans le château de cartes. Et ce château de cartes, il y en a beaucoup de châteaux de cartes. Parce qu'on pense qu'on a fini ou qu'on a saisi et qu'on maîtrise la nature. Voilà. Et ça, se rend compte qu'il ne maîtrise pas la nature, il n'arrive pas à chasser. Ou il n'arrive pas à trouver le gibier que son père recherche. Jacob non plus, c'est la mère, c'est Rivka qui va préparer donc le gibier que son père aime. C'est-à-dire que tel que son père l'aime. Il s'agit bien sûr de notre Père du ciel. La nature, elle est belle, mais il faut savoir donc la comprendre et l'élever à sa juste valeur. Mais non pas la rendre Dieu, comme Spinoza, la nature Dieu. Les lois immuables, ça n'existe pas. Il semble qu'ils sont immuables jusqu'au moment où on va trouver que ce système fonctionne uniquement dans certaines conditions. Et si je change seulement de température, je ne parle pas de fréquence ou de l'électromagnétisme, etc., je change toutes les données. Et dans ce cas-là, rien n'est immuable, rien n'est fixe. Ceci dit que, comme je dis tout à l'heure, avec notre intellect, avec toute l'évolution des milliers d'années, ou des centaines d'années dans la véritable science, ou les véritables sciences, avec tout cet intellect, on n'a pas changé la nature humaine. L'homme n'a pas changé. Il y a toujours la jalousie, il y a toujours la calomnie, il y a toujours, surtout, la ruse du serpent.
Parce que notre intellect fonctionne de cette manière. C'est la ruse. On veut anticiper. On ne fait pas confiance. Puisqu'en fait, les étapes, on croit les comprendre jusqu'au moment où ça ne marche pas comme on veut. Ou ça ne marche pas comme on voulait. Il convient donc d'introspecter notre intelligence, tout simplement, notre intellect, notre logique. Mahavayabok, Jacob aussi doit se confronter à sa manière aussi avec sa propre logique. Voilà que Dieu lui a dit, voilà, je te garderai, je te ramènerai sur la terre d'Israël. Mais lui, il est rentré dans les comptes, Cheshbonot. Oui, c'est vrai, nous tous, nous rentrons dans les comptes, dans les différents comptes. On fait des comptes au niveau religieux, au niveau, je dirais même, parfois même spirituel, pas seulement au niveau théologique. Puisque Dieu, alors Dieu devrait, etc. Comme si on voulait dicter à Dieu de qu'est-ce qu'il a à faire. Et quand ça ne nous intéresse pas, alors je parle chez les religieux, alors c'est le Satan. C'est l'autre côté, c'est les autres forces. Comme s'il y a quelque chose qui échappe au Dieu souverain. Donc là, Essav, lui, revenant à Essav, Essav a fabriqué des systèmes. Par sa connaissance, à l'ouf. Kenaz, Alouf, Essav. Dans la Kabbalah, on va aller plus loin, on va parler donc des principes fondamentaux de l'existence qui se révèlent correspondent au roi de Essav et les Malachim, Hashem, Eretz Edom. Les rois d'Edom correspondent donc aux intelligences même de Elohim, Malkim, Ikedem. Malkim, Ikedem, Malkim, Kadmaim. C'est Elohim, c'est cet aspect donc de Elohim. De ce Dieu créateur, de l'acte créateur lui-même, d'engendrer. Et c'est là où commence la logique, avec l'engendrement. Et bien c'est Esav qui le domine. C'est lui le Béhor. Réchit Goïm Amalek. C'est lui le premier né. Donc Esav, lui, est l'intelligence même de la nature. Sans Elohim, sans son Dieu, ou cet ange de Esav, c'est celui qui connaît toutes les techniques de l'homme, donc du combat aussi. Mais voilà Jacob qui n'a jamais appris ni Kung Fu, ni Karaté, mais et voilà, il combat, il confronte l'ange de la nature, l'ange Elohim. Il combat, qui s'arrête à Elohim. Tu combats avec Elohim. Comment on peut combattre Elohim? Encore une fois, Elohim, on est d'accord qu'on parle uniquement de cet aspect divin, de cette expression de la divinité qui correspond donc à la connaissance de la nature, aux sciences donc de la nature. L'ange lui-même correspond donc exprime l'intelligence. Mais voilà, Jacob, lui, avec sa foi, va combattre cette nature. Il combat aussi déjà Lavan, son beau-père, a déjà changé au moins 10 fois son salaire. Il a trompé, il a rusé. Mais voilà, la nature, apparemment, elle poursuit un chemin différent des statistiques de Lavan. Puisque on voit que Jacob s'est enrichi quand même avec les ruses de Lavan. Puisque Lavan connaît très bien toutes les démarches de la nature, donc on ne veut pas le tromper. Il nous attrape à tous les coups et à tous les coins. Et voilà que Jacob a réussi. Cet homme qui était intègre, qui était dans les tentes, voilà, il connaît aussi les ruses. Non, il ne connaît pas les ruses. En fait, il sait qu'est-ce qui se passe avec la foi et au-delà donc des ruses de la nature. Puisqu'en fait, la science est aussi une ruse. Les sciences de nature, comme l'intellect lui-même, c'est une ruse. La Gemara, dans cette colline, en parlant des sages, les véritables sages, même s'ils sont rusés dans la connaissance, aussi maintenant que Behemoth Lefanecha,
Ils deviennent comme des bêtes avec toi. Ils sont comme des bêtes avec Dieu. Mais ils sont rusés. Les sages du Talmud, ils sont rusés. Mais ils se font comme des bêtes avec Dieu. Ceci dit que il y a un verset, donc Adam Toshé Adonai, Dieu délivre l'homme et la bête. Et là, les Chachamim, les sages expliquent en fait l'homme et la bête, l'homme qui est une bête avec Dieu. C'est quoi une bête? Ça veut dire en fait, il ferme son intellect. Il ferme donc cette faculté, ces Rechbonot, ces différents comptes avec lui. C'est ce que je disais, il convient donc d'introspecter notre intellect. C'est quand même un instrument exceptionnel que Dieu nous a donné pour parler et donc pour user aussi. Saïd Bepiv, comme dans Moshe, il va utiliser la parole pour attraper son père, mais attraper tout le monde, pas seulement le gibier, attraper la nature, jusqu'au moment où, voilà, la nature lui fait défaut et il a faim. Le grand chasseur a faim. À savoir, il est en manque. Jacob, lui, est plongé dans les tentes de la réflexion. Il est dans une conscience, qu'on pourrait dire, avec certains philosophes, cette conscience surmontale. Donc, au-delà de notre mental, au-delà donc de notre intelligence. Une conscience, non pas une conscience d'être, une conscience de soi, comme certains pensent, mais une conscience de Dieu transcendant. Une conscience supérieure qui est capable de percevoir toutes les choses qui sont unies avec le Un, à chaque instant et à chaque moment. Dans chaque espace, dans chaque dimension. Cette conscience est capable de percevoir les choses qui sont cachées pour tous, étant donné qu'elle fait des relations, donc d'unification, qu'on appelle dans l'école du Harizal, on l'appelle donc les unifications, les Yehudim. Donc, capable d'unifier. Et ce que fait en fait Jacob? Jacob fait une unification. Donc, c'est Mahavar Yabok. Mahavar Yabok est en fait est une unification. C'est quoi ce passage? Ce passage où l'homme, voilà, il termine sa vie, il a cette vie biologique, bien entendu, il finit et il sait plus qu'est-ce qu'il a traversé. Mais bon, chez Jacob, il sait qu'est-ce qu'il va traverser, il sait où il doit arriver. Et voilà, ce Mahavar Yabok, ce passage, qui est un torrent en même temps, et Jacob pense que il a lieu donc d'unifier le bas et le haut. Je m'explique. Si je prends le mot Yabok, la gématria, la valeur numérique de Yabok, c'est correspond donc à 112. 112 qui correspondent à ces deux noms, ces deux principes. Deux noms de Dieu, Yud-Kevav-Ké, le tétragramme, 26, et 86 pour Elohim. 26 et 86, donc, forment ensemble 112, et c'est ce Yabok. Cette union, donc, le Yehud par excellence, l'unité par excellence, l'unification de l'aspect transcendant de Dieu, qui est avant la création, et cet aspect qui s'investit dans la création, l'immanent, on peut l'appeler, donc Elohim. Et donc cette union permet au fait de connaître l'infini. Notre conscience est de ne pas se limiter à cette nature, ou à notre perception des sens, donc à l'intellectualisme. Sinon, alors, jusqu'au moment où on est déçu. Et pour l'Israël, c'est l'exil. C'est l'exil chez les nations, qui correspond justement à cet apprentissage de voir en fait, notre erreur, de la retrouver d'une manière beaucoup plus flagrante chez les autres, et de revenir. Ceci dit que le passage de Jabok,
se trouve physiquement quelque part dans le Jourdain, au début donc au début donc de la mer morte. Et dans ce passage que Jacob, comme d'ailleurs le peuple d'Israël, a traversé aussi pour entrer en Eretz Israël. Enfin, ce passage physiquement correspond à un autre passage, un passage de l'intellectualisme ou du rationalisme où notre réflexion par l'intellect a une prise de conscience que le monde est dirigé par une seule puissance. Et il n'y a pas de Satan, il n'y a pas donc même le négatif. Parce que chez le religieux aussi, s'il considère que Dieu, bien entendu, dirige le monde, a créé le monde et dirige le monde, cependant il a donné une place aussi à la gauche et donc au mal et donc aux confrontations et au combat, etc., etc. Et donc dans ce cas-là, on est continuellement donc dans des systèmes fermés parce qu'on veut se protéger. Que ce soit ceux qui sont dans le végétarisme ou ceux qui sont donc dans le monde écologie, ce qui est aussi une religion, et dans d'autres systèmes. Si on s'enferme uniquement à ce système, alors en fait on s'est déconnecté de la conscience de l'infini. Même si ça nous paraît donc absurde de relier l'infini et l'histoire des hommes, il faut savoir que même si tu as créé le monde avec des limites, Shamar le Olamo Dai, donc il y a des limites, il y a des lois, etc. Et il y a cette gauche qui nous ramène, qui nous rappelle, donc il ne faut pas dépasser. C'est le dîn, donc c'est la rigueur. Et qui dit rigueur dit aussi intellect, et qui dit donc rigueur, intellect dit aussi système. Et tout cela, bien sûr, si cela est important, mais ça doit être une étape. Et ça, au fait, est une étape pour arriver à Jacob. Et sa main, la main de Jacob, elle serra le talon de Esav. Donc comme s'il faut arriver avec la fin de Esav. Et les malachim Hashem alchou be'eretz Edom lifnei melor melech b'Israël. Voici les rois qui ont régné dans la terre d'Edom avant que règne un roi en Israël. C'est-à-dire qu'en fait, comme si Israël devait arriver après Edom. Et donc Edom, il faut l'avoir face à face. Ce n'est pas un combat de face à face, ce n'est pas du kung fu, mais c'est une démarche. La démarche donc de l'intellect. Mais on peut perdre des milliers d'années, bon, des centaines d'années, et pour un homme, il peut perdre la majorité de sa vie dans cet intellect, dans cette recherche intellectuelle. Et un comportement qui est lié uniquement à cette perception d'essence et à son intellect. Alors il arrivera au Mavar Yabok à la fin de sa vie, dans son lit d'hôpital ou chez lui à la maison, s'il a de la chance. Et dans ce cas-là, donc il va passer le passage où il va faire donc un scanner de tout ce qu'il a passé dans sa vie. Et s'il réussit, donc il va continuer la vie. Mais son passage, je dirais, vers Israël, c'est l'autre monde déjà. C'est un autre monde. Il est possible dans ce monde, comme pour Jacob, de traverser le Mavar Yabok tous les jours. De traverser, qu'est-ce que j'ai fait dans cette journée? Et comment je peux élever cette nature, non pas lui donner une réalité à part entière, mais l'élever justement à cette conscience qui est supramentale. Cette conscience surmontale qui voit tout en un, à savoir de relier le tout en un. Jacob aussi va relier le tout en un. Si au début il avait un safek, il avait un doute, et ça vient, donc ce pouvoir, même divin, dans la nature, pour me punir. Alors il peut punir juste un des deux camps, un des deux groupes, ou le groupe de Léa, ou le groupe de Rachel, parce que j'étais envoyé pour marier avec une femme. Mais voilà, Jacob a deux femmes,
Et deux familles, celle de Léa, et si vient Jacob, si vient Ésaü, il frappera un des deux camps, un des deux groupes. Non, non, à la fin, ils se rendent compte que non, ils doivent être réunis. Ces deux groupes, ces deux familles, ces deux femmes, Rachel et Léa, qui correspondent à cette une, à cette idée donc de la prière ou de la conscience supérieure. Et que il faut être plus rusé que le rusé. Et que Léa donc rentre dans la vie de Jacob, même s'il ne s'attendait pas du tout. Même lui avec ses calculs, Jacob, il a aussi ses calculs et une volonté claire. Alors voilà, il a quelqu'un d'autre à la place de Rachel, de sa bien-aimée. Et là, donc, ils savent aussi, ils se rendent compte que quelqu'un l'a trompé. Quelqu'un, donc, a pris sa place. Donc, il n'est pas. Il ne maîtrise pas. C'est une leçon pour Ésaü. Mais maintenant, c'est la leçon de Jacob. C'est Jacob qui va prendre à son tour donc la leçon. Cette leçon, donc, pour Jacob, c'est que si tu pensais que Ésaü va frapper un des deux camps, ou Rachel, ou Léa, non. Le prophète dit, il faut réunir ces deux aspects en sein d'Israël. À savoir celui qui utilise le rationnel, comme Yosef. Parce que Yosef, c'est un juste, c'est un tzaddik, c'est le maître dans la matière. Et il maîtrise la nature, il connaît bien la nature. Et dans ce cas-là, il comprend tellement bien la nature, mais il la relie aussi. Il la relie aussi donc au suprême, il la relie aussi donc à une méta-histoire. Il y a l'histoire que vous comprenez tous, dit Joseph à ses frères, mais il y a une autre histoire, celle de Dieu. C'est que Dieu, c'est la révélation donc de Dieu, l'histoire de la révélation de Dieu. Si l'homme voit dans son histoire, dans son comportement, comme un élément essentiel dans cette révélation de Dieu, et chacun, alors il est dans cette conscience. Il est dans cette conscience suprême. Il est dans cette conscience supérieure. Il est dans cette conscience, donc, de le un suprême. Il est conscient, donc, de l'infini, qui couvre tous les âges, qui couvre tous les temps, qui couvre tous les hommes, et au-delà. Cette conscience, donc, si nous voulons, donc, la garder et être dans cette conscience continuellement, alors il faut la canaliser vers l'infini, vers cet esprit qui, lui, n'a pas en tête seulement ton histoire, ton problème. C'est vrai que ton problème, tes problèmes dans cette génération correspondent bel et bien à un état universel. Mais en aucun cas, il saurait être résolu d'une manière universelle. Puisque chacun, c'est arrivé à toi et pas à un autre. Et même si cela ressemble à un autre, la globalisation, comme la science, elle essaye, ou quand je parle de la science, le monde scientifique, essaie donc de globaliser et de réduire le tout donc à des systèmes. Donc c'est ça, elles savent. Et comme si on ne veut pas échapper aux limites, on veut rester dans l'Égypte, on veut rester donc dans les limites. Jacob sort de l'Égypte, comme Israël va sortir plus tard de l'Égypte. Il sort de chez Laban. Il sort de ce monstre qui veut tout encastrer, comme la médecine qui veut tout encastrer, comme la science qui veut tout encastrer. C'est beaucoup plus simple. Alors que si nous parlons donc de l'infini, on s'élève donc de notre logique. Parce qu'il n'y a pas une logique de l'éternité. Il n'y a aucune logique de l'éternité. Il y a une logique à partir de limites, de cause à effet. Et savent comme Laban, le rusé, donc comme le Nahash, donc la ruse,
comprennent à un moment donné les limites de l'intellect. La ruse qui est en fait panivero, qui est la face et l'arrière, le dos, le haut et le bas, la droite et la gauche. Puisqu'on connaît tous les circuits de la nature, donc on peut doubler. Mais voilà, aujourd'hui, dans cette corona, on voit que le virus, certains virus sont plus malins, ils sont plus rusés que les rusés. Il y a toujours un rusé beaucoup plus fort que toi. Puisqu'au fait, c'est le maître du monde qui a créé les ruses aussi. Nora Alilot, il est redoutable dans les ruses. Ils ont qui odia donné marché votre ben Adam. Dieu connaît les pensées de l'homme. Il connaît aussi les comportements de la pensée, la réflexion de l'homme. Il connaît aussi la logique de l'homme. Dieu, nous mettant en Égypte, il nous a mis dans la logique la plus exceptionnelle, je dirais pas la plus pure, mais la plus complexe qui existait et qui n'a peut-être jamais existé. Plus tard. Donc cette sortie d'Égypte, comme la sortie de chez Lavan et comme la traversée de Jabbok, c'est la sortie donc de la logique, de la logique mentale. Ça ne veut pas dire qu'il faut dédaigner la logique mentale. Il faut reposer sur la logique mentale. Il faut faire reposer Dieu sur la logique. Après avoir construit sa logique, il ne faut pas tomber dans le relatif, que tout est relatif. Non, il y a au-delà donc des lois. Et donc, à partir du moment que les hommes pensent, Dieu pense donc l'infini, que le monde n'est pas fini, que le système le plus merveilleux est loin d'être fini. Il est limité. Il n'y a aucun système qui est complet. Et donc, c'est seulement la révélation, ou plutôt pour l'homme, pour chacun de nous, c'est la conscience, cette conscience donc de cette conscience supérieure de l'infini qui est rentrée dans la limite. La limite peut être réparée par l'infini. Il ne faut pas donc nous infliger donc ce sort des limites, ce sort de enfermer. Lorsque Ésaü quitte Jacob après le combat, il retourne chez lui. Rien n'a changé. Le monde n'a pas changé. Quant à Jacob, lui, il va construire des soukhot, il va construire une cabane. Et une cabane, ça veut dire qu'en fait, on peut voir à travers le toit Dieu, enfin le ciel, qui nous rappelle Dieu, le Très-Haut. Comme si rien n'était figé dans ce monde, que tout est passager. Et on est nous-mêmes de passage. Mais si on peut faire, si on peut prendre conscience et faire prendre conscience aux autres, alors on a gagné, on a réussi. On a réussi dans notre nature, on a réussi dans notre histoire, on a réussi dans notre comportement. Et quand je dis prendre conscience, il faut aller de l'intellectualisme. C'est pour ça que j'ai le sous-titre de cette conférence, c'est de l'intellectualisme à la conscience. Parce que celui qui n'a pas traversé la logique, n'a pas essayé, ne s'est pas confronté avec la logique, alors il ne sait pas où il doit y aller. Il vit peut-être dans des fantasmes ou dans une illogique qui, tôt ou tard, aura raison de lui. Mais s'il a analysé la logique, il a vu les faiblesses de la logique, et il connaît, il n'a pas besoin d'être très intelligent aujourd'hui. Les choses sont très claires. Que ce soit au niveau de la médecine et même au niveau des sciences exactes. Les blogs existent partout. Et plus que ça, on est toujours le plus grand donc des savants. Ça, c'est que on n'est que chaque fois qu'au début de notre recherche, comme si on commençait chaque fois quelque chose de nouveau.
Mais à partir du moment où nous considérons que notre l'histoire du monde n'est pas seulement une histoire de triomphe, de gagner, de triompher contre un peuple, ou triompher contre un homme, ou triompher contre la pauvreté, ou je dirais même contre la mort. La mort n'est, c'est une punition pour celui qui croit qu'il peut être, qu'il peut maîtriser toute la nature et ne pas mourir. Mais à partir du moment où nous savons que notre vie n'est pas seulement une vie biologique et n'est pas seulement une vie qui est liée à nos systèmes, à notre intellect, et que l'histoire, que même que la Torah raconte, n'est qu'une trame qui doit nous amener à la véritable histoire de Dieu. Quand je dis l'histoire de Dieu, l'histoire de la réparation du monde, d'amener le monde à sa perfection. Donc, Ésaü, c'est le premier, c'est la première étape. C'est l'étape où on va aiguiser la parole, on va aiguiser la loi. Mais Jacob, lui aussi, va se retrouver dans dans la ruse, dans l'intellectualisme, pour ensuite se compléter et compléter Esav avec lui, en devenant Israël. Et donc c'est Esav qui va dire, toi tu n'es pas de chez nous, toi tu n'es pas, c'est pas la même ruse. Ta ruse à toi, c'est un moyen pour arriver à Dieu. C'est-à-dire, au fait, la connaissance ou l'utilisation de ton intellectualisme n'est là que pour te permettre d'atteindre la conscience supérieure. Le prophète qui annonce donc cette fin des temps nous dit que voilà, Valumoshim et les libérateurs vont monter sur le mont, ils vont s'élever, ils vont sur le mont Sion, sur le mont Sion. Et c'est là-bas où ils vont juger le mont de Essav. La montagne de Essav, il s'agit donc de la grande puissance de Essav qui a dirigé pendant toute, je dirais, l'histoire des hommes autour de l'homme. Principe anthropique. Comme si l'homme doit être sauvé. Oui, bien sûr que l'homme doit être sauvé, mais ce n'est pas le but de l'histoire. Même lorsque nous parlons de Géoula, de notre délivrance, la délivrance du peuple juif, ou le retour du peuple juif, c'est en fait c'est la révélation de l'unité de Dieu. Il ne faut pas donc limiter la Géoula, la rédemption, à un nationalisme. Il faut l'élever à, comme l'État d'ailleurs, il faut l'élever à, comme dit le Rav Kook, à qui sait, à Melech, au trône de Dieu. Trône du roi, le roi du monde. Et pas seulement le roi pour nous, mais le roi pour le monde entier. Ceci dit que, voilà, on apprend donc dans ce conflit entre Esav et Jacob, c'est, il faut combattre non pas Dieu qui s'arrête à Melokim, car tu as, comme dit le verset, donc je reprends le verset. Il reprit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu. Sarit Elokim. Tu as lutté avec cet aspect, ou avec cet accent divin qui s'appelle le Créateur, la création, la nature. Celui qui se soumet donc aux lois de nature et tout son comportement, et par rapport, parce qu'au fait, il veut être épargné de la mort. Cette peur de la mort l'amène donc à faire des vaccins ou à faire beaucoup de choses, c'est vrai, mais il n'a aucune confiance dans cette, justement, dans cet être suprême qui lui dirige le monde entier et celui qui donne aussi l'intelligence aussi pour faire des vaccins. Ceci dit que le véritable conflit de Jacob avec Esav, ce n'est plus, c'est qu'un ange. Il n'y a que deux personnes maintenant. Il y a Jacob et Esav.
qui est représenté par l'esprit. Parce que le sable, lui, il va pas à la chasse maintenant. C'est pas la carabine, c'est pas la mitraillette. C'est une chasse à un niveau donc intellectuel. Mais c'est la conscience contre l'intellectualisme. Ce combat, cette confrontation, il faut voir que c'est la dernière confrontation. C'est la dernière confrontation de deux genres d'esprit. L'esprit qui est en conscience continuellement de l'infini et de celui qui veut amener son monde à une histoire et qui aboutit par la perfection et par cette connaissance de l'infini, par cette union avec l'infini. Et c'est l'intellect qui nous met dans des casernes, qui nous met dans des boîtes, dans des systèmes, pour essayer, d'une manière ou d'une autre, d'être sauvé du pire. Mais voilà, être sauvé du pire, ça n'a fait que des fléaux et beaucoup plus de morts que si on laissait Dieu se révéler. L'homme, c'est le seul qui est capable de, non pas de boucher ou de fermer, de cloisonner donc cette révélation donc de l'unité. Mais puisqu'en fait, Dieu l'a doté de l'intelligence, donc il l'a doté aussi de la liberté et du choix, et aussi donc de sa demande, c'est-à-dire de prier, de demander, de supplier le maître du monde de se révéler. Et pour cela, il faut se comporter d'une autre manière, c'est-à-dire dans le sens donc de cette conscience, la conscience donc suprême, qui désire la réparation de l'homme qui est animal en fait. L'animal, lui, c'est vrai, s'il est dans une limite, il ne peut pas la dépasser. Il va selon son instinct. Alors que l'homme, lui, il peut surpasser ses limites. Qui est un ange, dit le verset, c'est celui qui est capable justement de se taire lors de la colère. Bolem et Pibushat Akas, il ferme sa bouche. Il ferme sa bouche au moment où il y a lieu donc de réagir. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller, non. Quand il s'agit de la gloire de Dieu, il s'agit donc de la sanctification du nom. Il n'y a pas lieu de se taire une seconde. Les mains Hachem, le Eshkot, les mains Yerushalayim aussi, David Amelech a dit pour Jérusalem, je ne me tairai pas. Ceci dit, au nom de cette révélation, il ne faut pas se taire. Mais par contre, si c'est au niveau personnel, ça ne sert à rien de s'emporter. Et donc, si l'intellectualisme ne peut pas réparer l'homme, il ne peut pas changer la nature de l'homme, il ne peut qu'enfermer l'homme dans un système et lui donner bien, un soi-disant bonheur. Et oui, si éphémère, il y a les bonheurs qui sont éphémères. Mais le véritable bonheur, c'est justement c'est cette conscience de l'infini. Loïka Rechim, tu ne seras plus appelé Jacob. Jacob, c'est celui qui poursuit. Jacob, c'est celui qui vient après Esav. Tu as dépassé Esav maintenant, c'est fini. Oui, mais jusqu'à présent, tu étais derrière lui tout le temps. Tu étais sur ses traces. C'est ça, Jacob, sur les traces. Ekev. On n'est plus sur les traces de la science, sur les traces de la ruse. On a intégré la science, on a intégré l'histoire humaine, a intégré la connaissance humaine. Elle est là. Maintenant, il faut la surpasser, il faut la passer, il faut passer à Bok. Et à Bok, c'est justement cette union. C'est cette union entre Havaya et Elohim, entre le véritable être, celui qui existe, qui a toujours existé. Yud-Ké, Vav-Ké, le tétragramme, c'est l'être premier et l'être dernier. Quant à Elohim, c'est un moment pour l'histoire des hommes qui a commencé et qui doit terminer pour rejoindre justement le après Yabok, c'est Israël. Israël, c'est celui qui a dépassé, si on ose le dire ainsi,
alors on peut le dire, le Dieu de la nature. Dépasser cette idée de Spinoza, de Natura Deus, dépasser aussi le Nachash. Quand je dis dépasser, c'est l'intégrer aussi. Non pas que c'est une vérité absolue, mais qui est une étape dans l'évolution. Alpaim Shana Tov. Les sages l'ont dit, 2000 ans. 2000 ans, le monde sera dans le chaos. 2000 ans, encore dans la Torah. Et 2000 ans, on doit évoluer encore vers cette rédemption. La délivrance, c'est Israël. C'est Israël qui apporte cette délivrance. Et Israël s'appelle Israël parce que il n'a pas peur de après la nuit. Alors que l'ange de Esav, lui, la nuit terminée, l'aurore, le matin arrive, stop, ça y est, c'est fini. Je ne sais plus combattre. Je n'ai plus les instruments. Je n'ai pas mes loupes. Je n'ai pas mon laboratoire. Je ne peux pas. Alors que celui qui a la conscience de l'infini n'a pas besoin de laboratoire, il n'a pas besoin d'armes. Il a besoin juste de cette conscience de l'infini et d'être avec cette conscience. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis donc à bientôt. Ben, Hachem, Shalom.